La fille de joie de Caris qui allait régler ses comptes chez Hanouna là-bas sur TPMP et qui s'est faite broyer par les chroniqueurs de TPMP, on va en parler. Dites bonjour les chéris, je vous vois, c'est pas la peine de faire les timides, je ne mange pas. Au sommaire, on parlera également de Morgan Makeup qui est sur le point d'être mise sous tutelle par sa famille. Après lui avoir porté plainte pour X raisons, on ne sait pas vraiment. Maintenant, la famille de Morgan Makeup a décidé de carrément la faire taire en la mettant sous tutelle. On n'aura peut-être plus droit au clip, comment dire ça, extrêmement artistique de notre Morgan Makeup. Est-ce que c'est la fin de Morgan Makeup? On en parlera. Nous aurons également un peu de chanteur R&B du Nigeria, jeune, apparemment très suivi, qui apparemment est dans la sauce. Enfin, c'est pas lui qui est dans la sauce, c'est une de ses fans. Parce que cette jeune femme, coucou à la team Twitter, une de ses jeunes fans a humilié son mec en live, en public, en plein show de Au Malais, en allant danser de façon très mougoulistiquement parlant, avec Au Malais. La fille s'est lâchée. Elle s'est lâchée. Elle a dit, là, j'ai plus de mec. Tant pis. Il a qu'à rendre la dot. Il a qu'à me ramener chez ma mère. Là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. OK? La fille a tellement été dans la sauce qu'elle s'est retrouvée obligée de faire une vidéo d'excuses pour avoir humilié son gars en public. Je vous ai traduit ça parce qu'elle parle en anglais. Donc, vous inquiétez pas. Vous serez correctement affairé. Nous parlerons aussi de Macron. Macron, il se passe des choses bizarres, hein? Il est en train d'aller chez les agriculteurs, là, se faire gronder. Mais il y a une vidéo bizarre qui circule sur Macron. Je vais vous mettre ça. C'est rapide, OK? Ça se mange vite. Qu'est-ce que je vais encore vous mettre d'autre au sommaire? Magali Berda qui chouine encore. Elle est toujours en train de pleurer, 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 pleurer. Elle nous fatigue. OK? La tantine Berda, ça faisait un moment qu'on n'entendait plus parler d'elle. On était très contents. Et maintenant, elle revient. Magali, ferme ta bouche. Pour le bien de l'humanité, au nom de Dieu, ferme ta bouche. OK? On en a marre de toi. Voilà. Donc, tout ça est bien encore des petites dingueries sur Internet. Je vous ai préparé tout ça hein, aux petits oignons. Ne vous inquiétez pas. Salut à la team YouTube. Salut Sonia. Comment ça va? Magalax, la pleurnicharde. Oui. Franchement, c'est ça. C'est son travail. Alors, mes chéris, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Ceux qui ont kiffé mon travail, ceux qui ont kiffé mon live. J'ai eu pas mal de bons retours sur mon live d'hier sur l'ex de Chaban. Donc, je vous remercie beaucoup pour tous vos messages d'encouragement et vos compliments. Ça m'a beaucoup touché. N'hésitez pas à liker pour donner de la force à ma chaîne si vous aimez. De toute façon, c'est très simple. Si tu as ri, tu likes. Si tu as ne serait-ce qu'un petit rictus, tu likes. T'es obligé. Sinon, tu es sorcier. Voilà. Sinon, je te maudis sur 35 générations. Donc, voilà. Alors, mes chéris, c'est un live dingue. La Traoré. OK? On va commencer par ça. La Traoré, vous savez, Adama Traoré, tout ça, tout ça. Qui a eu, grâce à une autopsie faite par un coroner indépendant, selon elle et ses avocats, ont conclu que Adama avait bien été et bel et bien décédé suite aux sévices qu'il aurait subis de la part des policiers. La cour d'appel a tranché. Du coup, ben, il va devoir y avoir un nouveau procès qui va s'ouvrir pour traiter de l'affaire Adama Traoré pour juger de la responsabilité des forces de l'ordre sur le décès de son frère. Voilà. Adama Traoré, il me semble que j'avais, non, c'est pas il me semble, j'avais fait donner une interview à une jeune fille qui connaît bien la famille Traoré et elle m'a dit des dingueries sur les Traoré. Hein, cette vidéo, je crois qu'elle est privée sur une de mes chaînes et Askip Adama, c'était le moins thug de tous, hein. C'était le plus correct de tous. Donc, en gros, il a un peu pris pour ses frères, quoi. Voilà. Bref, donc, alors, voici l'annonce de qu'elle a faite sur les réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle pour elle et les gens qui la suivent, hein. Alors, voici ce qu'elle dit. Elle a posté ça sur Instagram.
Durant l'audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le parquet général a totalement désavoué les gendarmes en affirmant qu'ils se sont rendus coupables de violences volontaires ayant entraîné le décès sans intention de le donner. La thèse selon laquelle l'interpellation a eu aucun rôle dans le décès d'Adama Traoré est donc officiellement abandonnée. Ça, quand même, c'est un gros rebondissement. Par les derniers juges d'instruction et le parquet général. La justice a été contrainte à ce revirement après 7 ans de combat face à tant d'inepties médicales et judiciaires. En mars 2020, la Chambre de l'instruction confirmait la décision des juges d'instruction, refusant une reconstitution et allait jusqu'à affirmer qu'Adama Traoré serait décédé le 19 juillet 2016, même si les gendarmes ne l'avaient pas interpellé. Le pronostic vital d'Adama Traoré était engagé de façon irréversible dès son arrivée au domicile de M. M, sans que les circonstances de la seconde interpellation et de la prise en charge subséquente d'Adama Traoré n'aient interféré. Donc ça, c'était la première décision des juges qui avaient dit que les policiers n'avaient rien à voir dans l'histoire, ils n'étaient pas responsables de son décès, voilà, et c'était lui qui avait déjà des problèmes cardiaques avant. Voilà. Elle continue en disant qu'ils ont fait appel à un coroner français indépendant et qui a fait une toute autre autopsie, dont l'autopsie a eu une conclusion tout autre. Suite sans ces éminents spécialistes sélectionnés en France, dont Damien Seine, professeur de médecine interne de l'hôpital Lariboisière, et à l'étranger, dont Michael Baden, médecin légiste ayant confirmé le zigouillage de George Floyd, la justice n'aurait pas été contrainte d'écarter les pseudo-experts initialement choisis par les juges d'instruction. Grâce à ces nouvelles expertises médicales sérieuses, les magistrats ont été contraints de désigner des médecins experts belges. Elle a dû aller jusqu'en Belgique pour autopsier son... Enfin, c'est un truc de fou quand même. Ils ont eux aussi confirmé que le taisonnage commis lors de l'interpellation avait causé une asphyxie à l'origine du décès d'Adama Traoré. C'est ainsi que les deux derniers juges d'instruction ont dû admettre que ce sont les taisonnages des gendarmes qui ont mis fin au jour d'Adama Traoré. Le parquet général reconnaît aussi aujourd'hui que les taisonnages commis lors de l'interpellation ont mis fin au jour d'Adama Traoré. Il s'agit d'une victoire immense pour la famille Traoré qui s'est battue pendant plus de 7 ans pour que la vérité soit reconnue. Aujourd'hui, la famille se bat et se battra pour obtenir une condamnation devant une juridiction française ou internationale. Voilà, pour les personnes qui soutiennent cette famille, vous avez le update. Il y en a qui trouvent que c'est une bonne nouvelle. D'autres, je pense que la team Zemmour va pas du tout être contente de ce rebondissement. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour les parents d'Adama, pour sa mère, je pense que c'est une excellente nouvelle. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais lire un peu vos commentaires, vos réactions par rapport à pour cette première dinguerie. Décidément, cette affaire, depuis longtemps, cette femme ne lâche rien. C'est au moins, elle a ce mérite. Franchement, elle a ce mérite. Vraiment. OK. Coucou Bessé, je te kiffe, tout à fait d'accord avec toi, comme d'hab, concernant l'ex de Chavannes. C'était ridicule de parler de leur vie privée. Merci Nadja, merci beaucoup. Même si Adama est bizarre, il faut la justice. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tant mieux que justice soit faite. Caris, non, on garde le meilleur pour la fin, ma chérie. Hello, Kouriane, comment ça va? Donc, voilà, bon. Dans tous les cas, que la personne soit ou non une racaille, elle mérite la justice, c'est tout. C'est fou que ce soit difficile d'assumer la vérité, même les autres experts assument, merci la Belgique. Voilà pourquoi les personnes qui voulaient savoir le vrai du faux. Alors, coucou Marion, comment ça va? Voilà, bon, ça c'est pour l'affaire Betraoré. Ensuite, on va passer à autre chose. On va passer à quoi? À Magali. Non, si. On va passer à la tantine Berda, la chouineuse, et qui est la pleureuse. Qui, encore une fois, vous savez, en ce moment, il y a l'inflation. Le prix de l'électricité a augmenté de 10%. Marine Le Pen a voté contre l'augmentation du SMIC. Il se passe des choses en Ukraine. Il se passe des choses au Moyen-Orient. Il fait froid, ok, il n'y a plus de saison, on n'arrive plus à boucler les fins du mois, tu as les agriculteurs qui sont en train de taisonner les CRS là-bas, mais on a des tas de problèmes en France, mais Magali Berda a décidé que non, on ne va pas l'oublier comme ça. Elle a décidé de revenir sur le devant de la scène,
en laissant une longue, longue, longue Bible. Regardez comment c'est long. Regardez comment je prends mon travail à cœur. C'est que je suis obligée de subir par amour pour vous. Je vous rappelle que la société que j'ai fondée a donné à manger à des milliers de gens. Ah bon? Ça a donné à manger à des afflux voleurs, hein, à des escrocs, des enfarinés, des boulangers, des vendeuses de piments moins chers qui fricotent avec des pédos. Qu'est-ce que ça a apporté ton travail? Ça a dépravé la jeunesse, ça a arnaqué des Français. Respectez un peu ça et faites-en de même. Après, vous pourrez parler. Magali, qui t'a sonné? Oh, oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Bref, alors, après, vous pourrez parler. Je vous rappelle que cette société que j'ai vendue en 2019 a été freinée en plein élan alors qu'elle participait à l'économie française. Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas lire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire? Pitié! Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire? À l'économie française. Ok, bah écoutez, qu'est-ce que je veux. Magali Berda a fait augmenter le PIB français. Voilà, c'est. Qu'est-ce que je vous dise? Ah, ils sont tous barrés, ils sont tous exilés là-bas à Dubaï, mais à part ça, ça a profité à l'économie française. Oui, bien sûr, bien sûr. Rappelle également que malgré les attaques quasi quotidiennes, je n'ai jamais été condamnée à aucun placement de produits frauduleux. Tes influenceurs, si. Ceux qui sont à ta botte ont eu plusieurs warnings de la part de la DGCCRF. Donc arrête de faire comme si tu étais une sainte. Et ensuite, tu as eu plein de condamnations pour des arnaques, de la fraude, etc. Et pour ta société, c'est encore en cours. Contrairement à des concurrents d'ailleurs qui, eux, bizarrement, vous ne les citez jamais. Parce qu'eux, ils ferment leur bouche, Magali. Ils ne font pas des plateaux télé sur plateau télé pour venir fatiguer les gens. Votre diffuseur diffuse actuellement la série de Booba. Non, mais lâche la veste de Booba, c'est pas possible. Elle est amoureuse de lui. C'est pas possible. Lui, ça fait 1000 ans, il ne parle plus d'elle. Elle n'arrête pas de parler de lui. Mais lâche, tu veux son bangala? Tu veux sa banane? Non, mais sois clair au bout d'un moment. Tu veux goûter à l'aubergine d'Afrique? Mais dis-lui clairement les choses. Si tu veux qu'il te secoue, dis-lui clairement les choses et arrête de nous fatiguer. Matin, midi, soir, Booba, Booba, Booba. On est fatigué. Les petits arrangements en famille dans le monde de l'audiovisuel, c'est comment? Bizarre, car ce que vous avez dit hier soir, c'est l'inverse de ce que vous m'avez écrit le 06-09-2022 sur le taïzonnage injuste de ce que nous subissons, ma famille et moi. Oui, bien sûr, c'est injuste. Ouais, 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 ouais. Donc, même si vous ne me respectez pas, ce que j'en ai strictement rien à, respectez ce que ma famille a subi depuis 2 ans à la place de tout le milieu, et y compris vous, car vous en faites partie, et minimisez pas ce qui s'est passé. Alors, à qui elle parle? De quoi parle le texte? Bon, je vais prendre ma voix de Google de télé-réalité. Hein. S'il vous plaît, hein, vous auriez pu rappeler que 30 personnes hein, viennent d'être jugées dans mon affaire. Hein, que Booba est quand même mis en examen hein, pour cyber-embêtement aggravé et placé en contrôle judiciaire. Hein. Ne minimisez pas les choses, s'il vous plaît. Encouragez les victimes à déposer plainte et à se battre et à ne pas se faire lyncher à chaque fois. On ne peut pas parler de forme quand on parle de cyber-embêtement. Je vous rappelle que c'est criminel, le cyber-embêtement, ok, et qu'on devrait tous le combattre. Mais ma chérie, les gens ne te prennent pas ton dos parce que les gens ont compris ton vice. Chaque influenceur ou créateur de contenu, appelez-les comme vous voulez, est concerné par sa chambre. Les réseaux sociaux sont un nid d'embêtement et de gens qui se c'est pas à prendre à la légère. Elle parle de TS, alors que la meuf, on l'a vu danser dans des mariages, ok? Soi-disant, elle était en dépression. Voilà. Ah, fatiguée, fatiguée, fatiguée. Moi, tu sais, hein, c'est pour la YouTube Money que je parle de toi, Magali. Hein. C'est pour la YouTube Money. Parce que sinon, franchement, il y a longtemps que... La jalousie, l'humiliation, le paraître pour protéger son image, on est même capable de cautionner l'inacceptable. Si la majorité est avec quelqu'un, alors on va suivre cette pensée, même si elle est intolérable et grave. Ce métier est jeune et nouveau. Alors, comme ça, c'est complètement faux. Ce métier d'influenceur, placement de produits, ça date de Mathusalem, c'est pas toi qui l'as inventé. Les nouveaux, champ. Dans quel monde elle vit celle-là? Il met du temps à se réguler comme tous les nouveaux métiers d'ailleurs, champ. Tout le monde a sa part de responsabilité, champ.
Il y a 6 ans, dans notre agence, on mettait déjà les hashtags sponsorisés sur chaque. Alors, comment on peut mentir comme ça? Hé, hey, Seigneur! Genre, elle mettait le hashtag sponsorisé sur. Bref, c'est quoi? Laisse tomber. Il y a les captures d'écran, mais elle ose encore mentir. Il ne me semblait pas que ceux qui parlent aujourd'hui pour essayer de faire leur propre quoi, le faisaient. Carrément, ils cherchent de nous. Bon, stop, j'arrête là. Non, elle me saoule. Honnêtement, ça va aller comme ça, OK? Passons à autre chose. Macron, en ce moment, il est avec les agriculteurs. Il y a apparemment. Comment ça s'appelle déjà? Vous savez, l'événement qu'il y a chaque année où les agriculteurs viennent montrer leurs vaches, le salon de l'agriculture ou je ne sais plus quoi. OK? Sauf qu'il s'est passé un truc chelou. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, les chéris. Voilà. Hein? Et c'est bizarre, c'est très bizarre ce qui se passe devant nos yeux. Qui était prévu à 9h ce matin et 4h31. Alors, moi, bon, je dis ça, je dis rien, mais moi, c'est avec mon mec que je me tiens la main comme ça dans la rue, hein. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que votre guédard, est-ce que vous savez, il y a beaucoup de médias, à tort ou à raison, qui pensent, non, pas de médias, mais beaucoup de Français, à tort ou à raison, qui pensent que Macron est de la jaquette. Macron est de la team Reine des Neiges. OK? Macron ne serait pas 100% hétéro. Il y en a même qui disent que sa femme est un homme. Mais chacun se fera son avis. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser, si c'est vrai ou pas. Mais c'est vrai que quand on voit ce genre de choses, normalement, c'est monsieur, madame qui se tient comme ça. Ah, alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, balibala, eh ben, balibala, Mimi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est suspect. En tout cas, c'est étrange. En tout cas, c'est la décadence. Et contre nature, hein. Oh là là, c'est la décadence. Donc, ben, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On a un premier ministre de la team Reine des Neiges qui a nommé son ex-ministre. Ça m'étonnerait pas que Macron le soit aussi. Bizarre pour Lison. Ok, appelons Karine Le Marchand, elle va le diagnostiquer. C'est chaud. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans cette vidéo. Beaucoup de tendresse. Beaucoup de. Voilà. Hein, c'est tout ça, c'est doux. Bon, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il est ou pas de la team Reine des Neiges. Chacun se fera son avis en commentaire. Ok. Voilà, petit disclaimer. Ce que vous regardez actuellement, c'est le replay du thé que j'ai bu à chaud avec les abonnés de ma chaîne YouTube, ceux qui ont pris un abonnement sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet. Pour boire le thé à chaud avec tout le monde et ne pas rater la moindre dinguerie, parce que je sais que vous aimez les dingueries, et que le thé à froid n'a pas le même goût que le thé à chaud, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé, sur le chat en commentaire épinglé ou en barre de vidéo, en bas de vidéo. Voilà. Ceci est des malades. Alors, autre dinguerie que j'ai trouvée sur internet, vous savez, on a les transgenres. On a les, comment on appelle ça, gender fluide. On a également les non-binaires. Maintenant, on a les transhumains ou les transespèces. C'est-à-dire des personnes humaines qui se définissent en tant qu'animal, en tant qu'écureuil, castor, autruche. Et là, on a le cas de cette jeune fille qui ne se définit pas en tant qu'être humain. Mais elle se définit en tant qu'elfe. Alors, comme je tiens quand même à préciser qu'un elfe n'existe pas. C'est un nom, ça s'appelle être xénogenre. Autant pour moi, ça a du sens dans mon identité personnelle, autant c'est aussi une proposition artistique et une recherche sur l'identité de manière générale. Et c'est presque une prise de position politique aussi. Quand je vois ce qu'on fait à cette planète, je crois que j'ai même pas envie d'appartenir à cette espèce. Le rapport. Non, mais le rapport, en fait.
le rapport entre le réchauffement climatique et se prendre pour un animal imaginaire. Va prendre tes cachets au plus vite. Moi, je me demande au bout d'un moment s'ils font pas ça pour le buzz. Ou s'ils croient vraiment à ce qu'ils racontent. C'est la décadence. Et contre nature. Hein. Ouh là là, c'est la décadence. Jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand, Seigneur ? Mais jusqu'à quand on va supporter ça ? Bref. Allons-y gaiement. De toute façon, vous savez, on n'est plus à ça près. Et c'est bon, vas-y, c'est bon. Ça devient n'importe quoi. Maintenant, on va passer à Morgane Makeup, notre Morgane Makeup nationale, hein, la, notre gossu. Apparemment, sa famille veut la mettre sous tutelle. Ils me mettent bientôt en curatelle et tutelle. Il me fait passer pour la folle, la manque rien. Alors, c'est pour ça qu'il y a des choses que je voulais pas vous dire, mais je suis obligée de... Je suis obligée de vous dire. J'ai actuellement... Ma famille qui fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est juste que je voulais, toute honnêteté, je vais vous juste vous dire en toute honnêteté que ma famille veut me mettre sur les réseaux sociaux, fait le bordel sur les réseaux sociaux, comme Athénaïs, comme mes oncles, ma mère, font le bordel sur les réseaux sociaux. Et ils me mettent en justice. En justice. Et en fait, ils veulent tous ma chute de mon entreprise. Et voilà. Quelle entreprise ? Non, mais à l'entendre, c'est une femme d'affaires de ouf. Il y a une abonnée qui a lâché un commentaire qui m'explose de rire. La famille n'a qu'à montrer ses clips. Au juge, la tutelle est gagnée. Bon, franchement, la mise sous tutelle de Morgane Makeup, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Honnêtement, elle-même, Morgane Makeup, elle a fait son beurre en se faisant passer pour une handicapée. Elle crie à qui veut l'entendre qu'elle est handicapée. Elle fait des choses, Abby, t'as honte. Si sa famille l'a mise sous tutelle, ça veut dire qu'elle ne pourra plus être maître d'elle-même, elle ne pourra plus utiliser ses réseaux sociaux, elle ne pourra plus faire de live, elle ne pourra plus faire de clip sans l'accord de sa famille. Il faut quand même se rappeler que je l'ai mis, c'est encore disponible sur ma chaîne YouTube, Morgane Makeup, elle a fait des dingueries, comme par exemple à abandonner ses animaux dans le froid en plein hiver, s'inventer des tas de maladies alors que c'était faux, ensuite faire des tas de dramas, etc., etc. Je pense que la mise sous tutelle de sa famille, c'est pour son bien. Sa famille a l'air quand même de vouloir son bien. Ils n'arrêtent pas de reprocher à Ilan de la pousser à faire des choses qu'elle risque de regretter plus tard, qu'elle est très mal entourée, parce que Ilan, ce n'est pas du tout le genre de mec avec qui une femme doit traîner, et encore plus une femme qui est handicapée comme elle. C'est elle qui le dit qu'elle est handicapée. Donc, je pense qu'honnêtement, la mise sous tutelle de Morgane Makeup, c'est plutôt une bonne idée, quoi. Alors, maintenant, on va passer à une autre dinguerie, une vidéo dingue que j'ai trouvée sur Twitter. En fait, ce sont des femmes anti-aise, des militantes apparemment, je pense, où en fait, elles se plaignent du fait que dans leur propre pays, les femmes anti-aise subissent de la discrimination à l'embauche. Regardez ça. Hôtel en Guadeloupe. Un hôtel en... Ah, c'est en Guadeloupe, pardon, c'est en Guadeloupe. En Guadeloupe. D'accord. Les femmes de chambre sont tièses. Les femmes de chambre sont tièses. Dans un hôtel en Guadeloupe. Ouais. Moi, je n'étais pas au courant.
Donc en fait, quand il s'agit de faire le ménage, là, il n'y a pas de problème, on embauche des noirs. Mais quand il s'agit de faire l'accueil et tout ça, on ne met pas de noirs. OK. Quand même, se faire discriminer à l'embauche sur la base de ta couleur de peau dans ton propre pays, là, c'est quand même le sommet, c'est quand même le comble du comble. Hein. Donc les Antillaises sont femmes de ménage. Et vous trouvez ça normal? Vous êtes aux Antilles, vous aurez trouvé ça normal. D'accord. Où sont les Antillaises à l'accueil? Elles sont où les Antillaises? Elles sont où? Where is the black woman? Et tu vois, c'est même pas des Français en plus, hein. Ce sont des étrangers d'un autre pays. Ça se voit qu'ils sont pas Français. Antillaises. Où sont les Antillaises? Voilà, le client dit ouais, ça va. Genre. Elles ont droit de militer dans leur propre pays. Hein. C'est leur pays, en fait. Elles sont chez elles. Si elles ont envie de crier, elles crient. En fait. Allez chercher le personnel. Ouais, nous voulons voir les Antillaises ici. On veut les voir. Où sont les Antillaises? Where is the black woman? Oyo, in Guadeloupe. Where is the black woman? Where are they? We want to see black women. Ok. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez qu'elles ont raison de se plaindre? Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'entiers qui se plaignent justement d'être discriminés à l'embauche dans leur propre pays et d'être obligés d'aller travailler en métropole. Je les comprends. On s'affiche encore plus dès l'aéroport. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette affaire. Alors maintenant, on va passer à Awa. T'as une obèse qui mange comme 10 qui dit à son mari que s'il prend du poids, elle va le quitter. Ça déborde quand je mange pour ça. Nous, t'en as trop là. Non mais t'es mal l'assiette d'Awa. Ça, c'est pas une assiette, ça. Eh, c'est une marmite. Elle mange trop. Faut qu'elle diminue les portions. C'est trop ça. C'est trop ça pour toi. Il fait tard, il est 1h du matin, tu manges tout ça. Fais attention à ta lingue. Il faut pas manger toi. Parce que moi, ça déborde quand je mange pour ça. Nous, t'en as trop là. C'est trop ça pour toi. Il fait tard, il est 1h du matin, tu manges tout ça. Fais attention à ta lingue. Il faut pas manger toi. Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais attends. Ah ouais, tu dis, loulou, tu manges trop. Fais attention à ta ligne. C'est donc ça le multivers. Non, on en vient à l'affaire O'Malley, ok? O'Malley, c'est ce rappeur, non, chanteur ou de R&B, je ne sais pas, je crois que c'est du R&B qui fait, nigérien, qui est dans une sauce parce qu'il a fait danser, pardon, il a dansé avec une de ses fans et cette fan-là, il se trouve qu'elle était en couple. Sauf que leur danse, elle était ultra, ultra, ultra mogulistique. La meuf, elle s'est permise de danser comme ça devant son mec sans aucun scrupule. Bien sûr, je n'ai pas pu mettre toute la vidéo. Hein. Je ne peux pas mettre toute la danse parce que YouTube n'aime pas ça. Donc là, c'est quand la fille, O'Malley, demande à une fille du public laquelle veut venir danser avec lui. Et elle crie « Ouais, O'Malley, moi, je veux danser avec toi. » Et là, il y a son mec qui est juste derrière elle. Ça, c'est son mec. La meuf, elle est en couple. Hein. Donc du coup, il a choisi, elle est super contente. Son mec aussi, il sourit, il est content pour elle. Et à partir de là, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a décidé qu'elle avait plus de mec. I'm sorry, his face. Oh, she was like, I'm out of there. Why this is the best bit when they're doing everything on stage. Everyone's looking at the guy. They're like, yo. Et pendant tout ce temps, là, la fille, elle est en train de danser. Hein. Vous voyez pas l'image, mais la fille, elle est en train de danser. Mais c'est épicé comme elle danse avec O'Malley. Épicé. Hein. Et tous les regards sont braqués sur son mec qui est en train de lui dire, oh là là, bro, on a pitié pour toi. Grosse force à toi. Tu dois passer un mauvais moment. T'as même les vigiles qui se moquent de lui. Bon, vous voyez à peu près, hein. Là, t'as ton mec qui rit jaune, hein, le pauvre, et tout le monde le filme. Vous avez vu, il y a le personnel qui se moque de lui derrière, là. T'as les vigiles, là, qui se moquent de lui. Hey,
Là, c'est dehors. Le mec, il est sorti dégoûté, énervé. Il se barre tout seul et sa meuf, elle laisse partir tout seul. Et O'Malley, il a réagi en disant que la fille, elle est venue le voir sur le strade. Elle lui a pas dit qu'elle était en couple. Elle lui a dit qu'elle était célibataire et qu'il avait qu'à faire d'elle ce qu'il voulait. Elle a dit, t'inquiète pas, j'ai pas de mec, fais de moi ce que tu veux, vas-y à fond, je suis pas en couple, lâche-toi. Et il dit donc, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire ce que j'ai fait avec elle. Si j'avais su qu'elle était en couple, jamais de la vie j'aurais dansé comme ça avec elle, en tout cas pas de cette manière. Okay? Donc lui-même, il trouve que ce qui s'est passé, c'est pas bien. La fille, bien évidemment, elle en a pris pour son gras sur les réseaux sociaux. OK? Et elle a fait une vidéo d'explication. I said I was going to do a story time. I tell my side of the story because the amount of hate that I'm getting called all types of things that I've never even heard before. Like, it's getting a bit scary. And I keep coming and keep coming. Like, whoa. So, I really want to explain myself and address a few rumors as well. But obviously, before I get that started, I want to publicly apologize to him. Obviously, me and him, we've had private conversations where we spoke, but since it was public, I think the right thing for me to do is to publicly apologize to him. Je suis d'accord. Comme elle a humilié en public, c'est logique qu'elle demande pardon en public. It was honestly a mistake. If I knew this would like get this far, I wouldn't even go to a concert. I don't know, because this is not worth the hate that I'm receiving. Elle a zappé son gars, elle a zappé son gars, il n'existait plus. Elle a oublié son existence. But yeah, since it was public, I want to publicly apologize to him. So yeah, let's just get straight into like the story. The rumors, actually, I want to address the rumors first. So, why am I, okay, first of all, who's Fafa? No, who's that person? Whoever said that my name is Fafa, can you come? No, come, please. On s'en fiche de comment tu t'appelles, ma chérie. Va droit au but. Because how? Tu t'appelles Fafa, Fonfon, Fifi, c'est pas le sujet. I literally went on stage. I literally said my name is Jess. I said it twice. So I don't know how people are getting this like information from. That's not my name, please. Like, no. And also people saying that he's the one that bought the tickets. Who told you that as well? Who said he's the one that bought the tickets? It was me. I'm the one that bought the tickets. I wouldn't mean him to have a good time because, you know, like, we're young. Like, real young. Ah, donc c'est elle qui a payé le billet. C'est elle qui a payé les billets. D'où le manque de respect. Leçon numéro 1 aux hommes. Payez. Ça vous apprendra. Vous n'avez pas dit que vous êtes féministe, que vous voulez faire le 50-50. Quand on veut faire le 50-50, là, les hommes, il faut vous attendre à ce genre de manque de respect. Moi, je veux une femme qui travaille. Moi, je veux une femme qui paye. Ce n'est pas à l'homme de tout payer. Il n'y a pas de problème. La femme va payer. Et tu vas manger le manque de respect qui viendra avec. Tu payeras la facture. Let me just take a man to a concert. Let's have fun. Like, that's it. There's nothing wrong with that. I beg. Since when is it illegal to do so? Since when? That just tells you a lot. Because us women, we can do things as well. Like, if you want to take my man out, I'll take my man out. So yeah, like I said, it was me. Anyways, also, me and him, like, we've had private conversations about going on stage with O'Malley because he does this at his shows. If you really know O'Malley, you will know that he's done this in his past, at his past concert. Non, maintenant c'est de la faute de son mec. So obviously, I said, you know, him at this conversation, like I said to him, if I was to get called on stage, I'm going to go on stage. And he said, that's fine. Like, he's been saying that's fine. Like, me and him never, ever, ever had an issue with me going on stage. Even when the time came, like, I think there was a video where people were saying, like, I was moving away from him, like, I was pushing him away, like,
Bah oui, nous on a tous vu qu'une fois que tu as choisi ton mec, tu l'as plus calculé. Hein. Là, en fait, elle est en train d'expliquer que son mec, elle a discuté avec elle, avec lui, avec elle, ouais, et puis il est d'accord. Il trouve que ce qui s'est passé, ça va, c'est tranquille. Vous savez ça, là, ce comportement de gigolo. C'est un comportement de gigolo. Un mec qui a de la fierté et qui paye les factures ne peut pas accepter aussi facilement de se faire retourner le cerveau comme ça. La meuf, elle a complètement retourné la situation. Elle a réussi à mettre dans la tête de son mec que c'est lui qui a tort. Et puis elle remet ça, hein, elle remet la vidéo. Dans sa vidéo d'excuses pour son mec, elle remet la vidéo où elle s'est faite soulever par O'Malley. Elle est con. Non mais franchement. I don't care what anybody says, like, you all have favorite artists. I didn't want to hear that. Like, so he's mine. So obviously, he's my favorite artist, not mine. Et en plus, ça continue. Il dit, c'est le mien. C'est... Non, mais c'est énorme. Genuinely happy. And obviously, when I moved to the side, that was when he asked me to go on stage. I was just waiting for, obviously, the security to get me out of the crowd. That's why I was even stood there. O'Malley dit que oui, il était pas au courant qu'elle était en couple. Moi, je trouve qu'il ment un petit peu. Quand il la montre du doigt, son mec est derrière elle en train de la prendre dans ses bras. Donc, ça, tu vois que la meuf, elle est en couple, qu'elle est avec un mec derrière. Donc, bref, en tout cas, moi, ces excuses-là, pour moi, c'est pas des excuses, ok? C'est pas cool. Elle en pouvait plus de son gars. C'était une manière de dire, je te quitte sans le dire. Elle s'est dit, on sait pas, sur un malentendu, je peux me faire serrer par O'Malley, il peut tomber amoureux de moi. Moi, honnêtement, je vais pas lui jeter la pierre parce que je me demande si, à sa place, comment j'aurais réagi. Vous voyez, si c'était ma star préférée, genre Yael Levis, vous savez comment je suis folle de Yael Levis. Si c'était moi que Yael Levis avait désigné pour danser avec lui et que j'étais avec mon gars, est-ce que j'aurais pas perdu la boule comme elle? Moi, je pense que j'aurais perdu la boule. Hein. Donc, je peux pas trop lui jeter la pierre. Moi, j'aurais dit à mon gars, ramène-moi chez ma mère, si tu veux. Hein, je te rends la dot. Là, aujourd'hui, je ne peux pas la louper cette occasion. Danser avec Yael Levis, juste toi et lui. Non, non, franchement, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. OK, voilà. Dites-moi en commentaire si vous, votre star préférée, celui sur qui vous êtes en kiff, mais total, vous désigne pour danser avec lui. Ça n'arrivera qu'une fois dans votre vie. Vous êtes avec votre mec. Est-ce que vous allez dire non? Est-ce que vous allez dire oui? Et faites pas les hypocrites en commentaire. Hein. Soyez honnêtes. Maintenant, on va passer à l'affaire Yousra. Yousra.